Bonjour amis Viliens, content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais bon voilà, c'est la rentrée. Il faut se motiver et vous me manquiez tous. Et comme j'ai fait une foire au disque, une bourse au vinyle à Malo-les-Bains, c'est-à-dire ma ville, et c'était juste au coin de ma rue, à je dirais même pas à 100 mètres d'ici, j'ai pu sur ce week-end dernier profiter de cette foire au disque et je me suis acheté 12 vinyles. Cette bourse au vinyle de Dunkerque, de Malo-les-Bains très exactement, n'était pas très grande, mais j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Et puis cette foire au disque, cette bourse au vinyle, comme vous voulez, a eu beaucoup de succès parce que quand je suis arrivé à l'ouverture le samedi à 10 h, c'était noir, noir de monde. Je pense que l'effet Covid a joué en faveur de cette manifestation. Et c'était un plaisir de croiser plein de gens que je connais. Et comme j'ai une langue bien pendue, j'y suis resté un bon moment parce que je ne peux pas m'empêcher de parler vinyle, de parler musique. Donc voilà, le premier achat que j'ai fait, c'est un Santana, l'album Amigos. Il date de 1976. C'est un album Gatefold. C'est un pressage hollandais sur le label CBS. C'est le septième album du groupe. J'ai trouvé cet album très bon. À part peut-être le dernier morceau qui est un petit peu pop. Qui aurait pu ne pas figurer sur cet album. Je trouve que, bon, voilà. En plus, il n'est pas très long, mais bon, ça passe bien quand même. Et puis, c'est le fameux disque de Santana où il y a le fameux single Europa, sûrement le titre le plus connu de Santana. Donc, on est quand même dans un registre très très latino, je dirais très sud-américain, hein, parce que parfois il explore d'autres contrées. Il y a un morceau inspiré du folklore gitan, qui est très très bon aussi. Donc je l'ai écouté qu'une fois, donc je ne peux pas non plus m'étaler trop dessus, mais dès la première écoute, ça m'a bien plu, et ça va être mon troisième ou quatrième Santana, groupe que j'aimais pas particulièrement il y a encore 2 ou 3 ans, 4 ans, et que grâce au premier ou deuxième album que je trouve excellent, ces deux albums sont deux bonnes portes d'entrée pour découvrir Santana, parce qu'ils sont assez psychés, très 70s, et puis ben, au fur et à mesure des albums, là on est en 1976, qui sait, peut-être que l'album d'après je vais aimer, peut-être que l'album d'avant je vais aimer. En tout cas, maintenant, j'aime Santana. Le deuxième album que j'ai acheté, c'est un groupe français, c'est un album de 1978, c'est le groupe Chicken Street avec sa chanteuse emblématique Fabienne Chyne. Superbe album, j'avais le deuxième, maintenant j'ai le premier. Je ne l'ai pas payé très cher, moins de 10 euros. Il est en excellent, excellent état, je dirais en near mint. C'est un pressage français, c'est pas le premier pressage. Et bon, j'aime beaucoup, comme j'aimais déjà l'album d'après, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet album. Ça flirte entre hard rock, bon, un petit peu heavy metal, mais plutôt hard rock, je dirais. La voix de Fabienne Chyne est très, très, très jolie. Elle monte bien dans les aigus, elle ne faiblit pas quand il s'agit de monter dans les aigus. Alors j'ai beaucoup aimé le single No Time to Lose. Et il y a également une reprise des Stones, Yesterday Papers, une reprise des Stones des 60s. Je trouve la face A très bonne, le début de la face B très bon également. Un petit peu moins bon sur le dernier et avant-dernier titre. On sent que c'est des titres de remplissage. Mais je suis très content de l'avoir trouvé. Alors j'ai été très surpris de voir en invité, en guest, hein, Ian Stewart, le pianiste des Stones, qui était encore à cette époque-là vivant. Effectivement, Ian Stewart est mentionné sur l'album, il joue du piano sur cet album, et je trouve ça quand même assez remarquable pour un groupe français.
Le troisième disque que j'ai acheté, c'est YNT, l'album In Rock We Trust, le sixième album du groupe. Alors c'est un pressage hollandais sur A&M Records. C'est du bon hard rock, c'est un album de 1984. Alors YNT, tout au départ s'appelait Yesterday and Today. Et puis, ils ont, au fur et à mesure des albums, écourté leur nom, sûrement pour que ce soit moins long à dire, plus lisible, voilà. Et bon, ils font un hard rock un peu heavy par moment, un peu FM à d'autres moments. Ça me fait penser à du, parfois, du Bon Jovi, mais plus hard. Et ça me fait penser à du Wasp, mais moins hard. Voilà, ça se situe entre les deux. Il y a une balade, mais il n'y a pas trop de balades. C'est un groupe US, hein, YNT. Ils sont du côté de San Francisco. Enfin, voilà, ils œuvraient du côté de San Francisco. Cet album est très bon. La prod est très bonne. Elle est un petit peu datée. Elle est très 80s, hein, avec beaucoup de reverb sur la caisse claire, beaucoup de reverb un petit peu dans tout. Ce que j'aime pas forcément, mais là c'est relativement bien fait, on sent que la prod est bonne. On se demande pourquoi ce groupe n'est pas plus connu que ça, parce que cet album c'est vraiment, vraiment, vraiment du très bon. Il n'y a pas beaucoup de titres achetés, on sent qu'ils maîtrisent bien la compo, beaucoup de refrains fédérateurs. Moi je vous le conseille vraiment, ça me donne envie d'acheter les albums d'avant, et puis c'est un album que j'ai acheté à petit prix, à 5€. Le Santana d'ailleurs de tout à l'heure aussi, je l'ai payé 5€, hein, c'est pas très cher, donc on prend pas beaucoup de risques quand on achète ce genre de disque. Et je suis très satisfait, en tout cas après la première écoute. À 5€, j'ai également trouvé le premier Slade de 1971 qui s'appelle Play It Loud. Très très bon album, ils sont pas encore vraiment vraiment glam, d'ailleurs on voit bien la dégaine sur la façon de s'habiller sur la pochette, bah, ils sont pas vraiment, voilà, ils ont pas encore leur accoutrement glam, leurs plateformes boots, leurs pantalons écossais et tout ça, leurs chapeaux de forme, mais c'est déjà très 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 bon, puisque c'est le premier album qui précède le live, et je connaissais déjà pas mal de titres, puisque je connais le live depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, donc j'ai découvert les titres de ce fameux live, hein, puisqu'il est sorti juste après cet album, en studio, et les titres sont plutôt très bons. C'est un pressage français sur Polydor, comme souvent pour Slade, et très content d'avoir trouvé le premier, parce que je pense que c'est le plus difficile à trouver. Un petit peu plus cher, dans les 7-8€, je ne sais plus exactement, je me suis pris le Rainbow Difficult to Cure. Alors je le connaissais par sa pochette, mais je ne connaissais pas son contenu. Rainbow, ce n'est pas un groupe, quand j'étais plus jeune, qui m'intéressait vraiment. J'y suis venu sur le tard, parce que dans les années 80, pendant mon adolescence, tout ça, j'écoutais beaucoup Deep Purple. Et puis je me suis dit, bon, il faut que je me mette à Rainbow, parce que c'est quand même Richie Blackmore, et comme j'aime beaucoup Richie Blackmore, je m'y suis mis tout doucement et j'aime bien. Alors cet album, je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à mieux. Il y a des super titres. Hein. Alors là, il n'y a rien à dire, mais il y a des titres beaucoup moins bien. Et j'ai bien regardé en écoutant. Et c'est rigolo parce que les titres que j'adore sont de Richie Blackmore et les titres que j'aime pas sont pas de lui. Donc voilà, ils sont même de personnes, je le noterai peut-être en commentaire en dessous, de personnes qui sont même pas dans le groupe. Donc bon, alors c'est des trucs un petit peu FM, mais franchement, les titres signés Richie Blackmore sont excellents. Alors vraiment, quand je dis qu'ils sont excellents, c'est vraiment excellent. Hein. Il y a des titres comme en face A, Spotlight Kid, un morceau speed qui est génial. Willie's, un morceau très bluesy, un peu à la Whitesnake, qui est très bon aussi. En face B, on a Can't Happen Here, un morceau bien rock'n'roll, alors ça c'est pour me plaire. Freedom Fighter, un super morceau heavy avec un solo de Richie Blackmore monstrueux. Alors il y a Midtown Tunnel, Vision. Un morceau encore une fois bluesy, c'est ce que je préfère, vous voyez, un petit peu à la Whitesnake, tout ça, quoi. Vraiment très très bon morceau. Et puis, il y a le Difficult to Cure, le dernier morceau, qui est
comment dire, un instrumental. Bon, c'est rigolo, quoi, parce qu'il reprend, il s'inspire de Beethoven, et voilà, il reprend Beethoven à la guitare, voilà, c'est rigolo, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Quand même, pour ce prix-là, très content de l'avoir trouvé, et j'adore l'artwork d'Hypnosis, hein. Je trouve ça génial, la tête des personnes de l'équipe avant l'opération, on s'imagine allongé sur la table d'opération, et puis la tête après l'opération, où on voit le gars complètement blasé, on imagine que c'est le chirurgien, l'infirmière qui a les yeux complètement tétanisés, on se dit mais qu'est-ce qu'il a fait, enfin, c'est hyper flippant, je trouve ça ultra génial. Donc je l'ai acheté également pour sa pochette que j'aime beaucoup. Alors dans les bacs à petits prix, j'ai trouvé ce Blue Oyster Cult qui s'appelle Some Ancient Evening. Alors mon accent anglais est toujours aussi pourri. Donc un album de Blue Oyster Cult, groupe un peu obscur pour moi, je connais pas bien. J'ai qu'un seul album qui s'appelle Tyranny and Mutation, c'est ça. Alors j'aimais bien, mais j'aime surtout leur artwork, encore une fois, un petit peu comme l'artwork de Rainbow. Je trouve l'artwork magnifique, la mort sur un cheval comme ça dans le désert. Ouais, c'est ça. Et c'est un live. Alors ils reprennent sur ce live Kick of the Jam de MC5, très très bon. Et ils reprennent aussi un morceau que je connais déjà, c'est un morceau 2, donc ils ne reprennent pas le morceau Godzilla. Je le connais parce que je suis fan de Fu Manchu, un groupe de stoner, et Fu Manchu font pas un concert sans reprendre ce morceau de Blue Oyster Cult, donc c'est comme ça que je connais ce titre. Donc voilà, un bon album live, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins, ça passe vraiment du coq à l'âne, Blue Oyster Cult, c'est encore énigmatique pour moi, je comprends pas trop, je crois qu'il n'y a rien à comprendre, je pense que c'est des gens très ouverts et qui font des morceaux avec des ambiances complètement différentes, c'est pas désagréable. Et pour 3 euros, je l'ai pris, j'ai pas hésité une minute. Le disque est en très très bon état, en VG+. La pochette, bon voilà, on voit le ringwear un petit peu abîmé, c'est pour ça qu'il faisait 3 euros. C'est un pressage, je crois que c'est un pressage hollandais, attendez que je vérifie. C'est un pressage hollandais, c'est ça, chez CBS de 1978, l'année de la sortie de l'album. J'adore pas, hein. Je vous le dis franchement, je suis pas un grand grand fan, mais je vais peut-être le devenir, qui sait, je vais peut-être trouver l'album qui va me convertir. Mais c'est très agréable quand même à écouter, ça joue super bien, c'est un live. Alors j'ai oublié de dire que Blue Oyster Cult était un groupe américain, formé dans les années 70, il me semble, du côté de New York. Toujours à petit prix, j'ai trouvé un Little Richard, un live de Little Richard pour 5 euros. Donc c'est un live de 1965, sorti en 1966. Ça c'est son pressage d'origine, parce que là ce n'est pas le pressage d'origine. Le pressage, l'album, le pressage original n'a pas la même pochette que celui-là. L'album donc s'appelle... The World on Only Little Richard, ça on voit comme titre. Et l'album original s'appelle Little Richard Sings His Greatest Hits. C'est un live, je l'ai déjà dit, de 1965, sorti en 66. Je vais vous faire voir la pochette après, originale. Ça, c'est un pressage belge. C'est pour ça qu'il a une pochette comme ça, assez inédite, parce que j'ai vérifié sur Discogs. C'est le seul pressage ayant cette pochette. Alors ça envoie du bois, hein. C'est un live qui dépote vraiment, alors c'est en mono, hein, puisque voilà, on est dans les années 60, alors la face A, le son est pas terrible, en plus les cris des spectateurs passent parfois bien au-dessus de la musique, beaucoup de filles qui crient, des cris très aigus, un petit peu comme on pouvait avoir chez les Stones ou les Beatles à l'époque. Par contre, la face B, et le son est meilleur, bien, bien meilleur. Alors, j'ai su que c'était un live enregistré en décembre 1965 au Domino Club d'Atlanta.
un petit hommage à Little Richard qui nous a quittés. Très content d'avoir trouvé ça à 5 balles. Alors, j'avais toujours fantasmé sur ce disque qui est une bande originale du film Heavy Metal. Voilà, en français, c'était sorti sous le nom de Metal Hurlant. Alors, Metal Hurlant, c'est un film d'animation des années 80 et du début des années 80, hein, de 1981, je crois. Et j'avais été le voir à l'époque, enfin peut-être pas en 80, mais en 82, 83, dans un cinéma à Calais. Et j'avais adoré. Donc c'est un film d'animation avec plusieurs scènes. Et ils ont pris que des groupes de hard rock et de heavy metal pour faire la bande originale. Alors on trouve là-dessus Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, Grand Funk Railroad, Sammy Hagar, Joni Nazareth et même Trust. J'ai un très bon souvenir de ce film. Et puis, je sais que la pochette, elle est très belle. Voilà, c'est un gatefold. Pour la petite histoire, ce film a été inspiré par un magazine qui faisait de la bande dessinée de fiction et de heroic fantasy dans les années 80 qui portait le même nom, Metal Hurlant. Et aussi par son frère américain qui s'appelait, lui, Heavy Metal, un magazine dans le même genre, donc voilà. Et ce film a été réalisé, alors je l'ai marqué parce que pour pas l'oublier, donc c'est un film canadien, je l'ai déjà dit, de 1981, et ça a été réalisé par Gerald Potterton, et c'est très bon, je l'ai revu il y a pas longtemps le film, ça a pas trop mal vieilli, les images un petit peu, parce que la qualité était pas trop bonne, même si je l'ai vu en DVD. Mais la bande originale, elle est excellente. Je ne l'ai pas encore écoutée, mais bon, voilà. Même si je ne l'écouterai pas souvent, c'est vraiment par nostalgie, je voulais le posséder. C'est un double vinyle. J'ai trouvé également ça, parce que moi je suis un grand fan, je vous l'ai déjà dit, de Ike et Tina Turner. Et ça, c'est le premier album qui est assez difficile, quasiment introuvable, je dirais en pressage original américain, puisque je crois qu'il n'a même pas été à l'époque pressé, c'est début 60, je me demande si c'est même pas 1960, je suis même pas sûr qu'il ait été pressé en France. Donc ça, c'est une réédition allemande qui reprend trait pour trait la pochette, que j'aime beaucoup, hein, ça fait vraiment pochette 60s, très 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 jolie pochette. Moi j'aime bien les choses simples comme ça, ça me parle beaucoup. Donc là, Tina, elle veut vraiment prouver qu'elle a de la voix. Elle crie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit peu trop à mon goût. Parce qu'après, elle va plus être dans la nuance au niveau de la puissance de sa voix. Mais là, elle y va vraiment. On est toujours dans un registre rhythm and blues, un peu soul. Bon, c'est du mono, hein, c'est un vieux son. Le son, il n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est le son des 60s. Hein, et voilà. Et que dire de plus? Donc, c'est un pressage de 1983, un pressage allemand sur Line Out Line. Et bien sûr, je vous l'ai dit, c'est un repress. Je suis très content. Comme ça, j'ai le premier Ike et Tina Turner parce que je collectionne les albums de Ike et Tina Turner. Et avoir le premier, c'est un petit peu comme le Sled de tout à l'heure. C'est peut-être celui qu'on trouve le moins facilement. J'ai trouvé cette petite compilation des Temptations. Alors, les Temptations, c'est un groupe de soul, de rhythm and blues, signé chez Motown. Et là, c'est une compile promotionnelle. Il y avait encore le prix en francs français dessus. Je l'ai retiré, mais je crois que c'était 16 francs. Donc, c'était pas très cher. Donc, je l'ai pas payé cher non plus. Je sais plus, entre 3 et 5 euros. Et je connaissais aucun titre. Donc, je me suis dit, je vais le prendre quand même. Et c'est vraiment, vraiment bien. Alors, je connais les Temptations par le biais des Stones, comme je suis un fan des Stones. Ils reprennent, dans leur carrière, ils ont fait 2-3 reprises des Temptations, dont Just My Imagination. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir les Temptations. Et franchement, je connaissais aucun titre de cette compile. Quand je l'ai mis sur la platine, tout de suite, j'ai adoré. Donc, c'est une compile promotionnelle Motown, mais c'est distribué par CBS, il me semble. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Non, Paris EMI et MFP, hein, les trucs un peu promo, enfin les trucs promo, les trucs à bas prix en France dans les années 70. C'est une compile de 77
Et bah, j'aimerais bien trouver des albums originaux, mais c'est un petit peu cher les albums originaux des Temptations. Donc bon, voilà, pour commencer une petite compile à bas prix, c'est pas mal. J'ai également acheté un album de Bad Company, un album de 1977 qui s'appelle Je ne me souviens plus. Je sais que c'est leur quatrième album, il me semble. Alors, je l'ai écouté deux fois. Il y a des trucs que j'adore et il y a des trucs que j'aime pas du tout. Et il y a même plutôt des. Enfin, pas du tout, non. Il y a des trucs moins bien, je dirais. Il y a des trucs vraiment, vraiment bien, mais ils sont assez rares. Je suis un peu déçu. Parce que tout le monde me dit Bad Company, c'est vachement bien. Et bon, le premier titre est vraiment bien. Allez, je dirais qu'il y a trois titres que j'aime. Et là, est-ce que, bon, je trouve ça, voilà, moyen, quoi. Alors, on sent que c'est très, on sent qu'ils ont un putain de feeling. C'est très bien fait. La prod est excellente. On sent les musiciens. On sent que c'est, voilà, ça joue, quoi. C'est des bons musiciens. La voix, on n'a rien à dire de la voix de Paul Rogers, hein. Mais je sais pas, je trouve pas ça excellent. La pochette est très belle, hein. Un petit point comme ça. Donc c'est un pressage français, hein. Bon voilà, je sais pas. Alors tout le monde me dit que le meilleur album de Bad Company, c'est le premier, hein, l'album noir marqué Badco dessus. Il n'y était pas, j'ai voulu commencer par un album. Bon, je l'ai payé quand même 9 euros ou 10 euros, je sais plus. Et bon, je suis un peu déçu. La compagnie est née sur les cendres de fruits. Hein. Voilà, c'est pas ça qui va faire que je n'en achèterai plus. Hein. C'est vrai, j'écouterai d'abord sur YouTube, mais bon, voilà, je suis mitigé quant à cet album. Et le dernier achat. Eh ben, je vous en ai déjà parlé, puisque j'ai acheté le dernier album il y a pas longtemps, je vous l'ai présenté. C'est un album de Monster Magnet, leur premier album. Alors, c'est un repress, bien sûr. En tout cas, l'album, lui, date des débuts des années 90, de 1992, je crois. Il s'agit de Super Judge, et bah, je l'avais déjà en CD, hein, je le connais très bien. Donc, c'est un splatter bleu, donc du plus bel effet. Je l'ai payé 20 euros. J'ai hésité, hein, j'ai tourné autour pendant tout le week-end et puis le dimanche, quasiment à la fin de la foire au disque, je me suis dit, allez, je vais le chercher parce que 20 euros, c'est un prix pour moi, mais ce genre de disque, de toute façon, surtout là, ça, c'est un pressage sur Music on Vinyl, limité à 1000 exemplaires, ça coûte facilement, avec les frais de port, ça va me coûter 30 balles, quoi. Donc je me suis dit, autant le prendre. Et bon, je connaissais un très bon album de Monster Magnet, très psyché, groupe stoner rock. Et là, on est vraiment sur un album psyché, ils n'ont pas une super grosse prod, la prod elle est plutôt garage. C'est leur premier album, c'est pas par cet album-là que j'ai découvert Monster Magnet, j'ai découvert Monster Magnet par Dope to Infinity, qui est un de leurs meilleurs albums. Celui-là, il n'est pas de la hauteur de Dope to Infinity, mais quand même, c'est un très bon album, parce que pour moi, chez Monster Magnet, il n'y a rien à acheter. Je suis fan, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ce n'est pas un gatefold, mais voilà, c'est mon dernier achat de cette foire au disque et j'étais très 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 content de l'avoir. Donc voilà pour mes achats. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous présente cette fois-ci que mes achats dans cette foire au disque. Et la prochaine fois, eh ben, on reviendra avec mes rubriques habituelles. À bientôt.